Bonjour et bienvenue en Phénomène d'échange 1, je suis CH200. Aujourd'hui, le calcul des conductivités thermiques. Calcul des conductivités thermiques, comment est-ce qu'on va procéder? De quoi on a besoin d'abord? On a besoin de trouver la conductivité thermique des liquides, des gaz et des solides. Pour les solides, ben, on ne cherchera pas dans le chapitre 9. On va chercher dans des tables, dans des bons livres de référence, dans Perry, il y a beaucoup de livres de référence qui donnent des conductivités de solides mesurées. Oublions les méthodes de calcul, ça ne marche pas très bien. Pour les liquides et les gaz, on a un peu les mêmes outils qu'au chapitre 1. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller utiliser thermo. C'est la méthode qui est recommandée, puisque toutes les méthodes qui sont présentées dans le livre et beaucoup plus ont été codées par notre ami Caleb Bell. Thermo, c'était H, et on fait exactement la même chose qu'au chapitre 1. Donc, on se définit par exemple de l'eau qui serait un liquide, qui serait thermo.comica. Water. Et si on ne donne pas de température de pression, il travaille à la température et à la pression standard. Sinon, égale à 340, égale 3E à la 5, L. Ça, c'est la conductivité thermique de l'eau à cette température et cette pression-là à l'état liquide. On a la même chose, point, à l'état gazeux aussi. La vapeur d'eau à cette température-là, c'est ça. Évidemment, on lui donne des pressions, des températures et des pressions. Il faut vérifier si les températures et les pressions sont bien dans la gamme de températures et de pressions qui s'accordent avec les méthodes de prédiction. Il ne faut pas toujours prendre les résultats qu'on va obtenir ici comme étant quelque chose d'absolu. Il faut vérifier, c'est la science. Est-ce qu'on a les outils mixture? Oui, exactement comme dans le chapitre 1. On remplacerait ici, par exemple, pour l'air, un mélange avec mixture. Là, ça serait une autre chose, ça serait argon. Ici. Bon, ça va aller mieux. Ensuite, on dit que Z est égal à un total qui est 0,2, 0,79, 0,01 et ces températures-là. Fermé. Ceci. Et on fait ensuite l'eau. L'air. Point KG. Et ça marche. Vous voyez, si on change la température, la conductivité va changer. Vérifiez si, avec les températures, vous allez voir dans le notebook qui est donné sur le chapitre 9, il y a toute une série d'exercices de détails qui ont été faits où on utilise le package thermo. Donc, thermo, de la même façon qu'au chapitre 2, peut être utilisé pour calculer la viscosité, non, dans ce cas-là, la conductivité thermique, le nombre de prandtl aussi, parce qu'ici, il n'y aurait qu'à mettre prandtl du gaz, et on aurait le résultat. Et les propriétés peuvent être prédites parce que Callebaut a codé, comme je vous le disais, les méthodes qui sont données dans le livre, et des méthodes même beaucoup plus modernes. Donc, utilisons à fond thermo pour calculer la viscosité des gaz liquides, des mélanges, des gaz polyatomiques, monoatomiques, viscosité et conductivité thermique et les propriétés associées. On a tous les outils avec ça.